des câbles parfaitement tendus. Ces techniciens de la STIB effectuent les derniers contrôles sur le chantier de prolongation de la ligne 94. On a beaucoup de réglages à peaufiner, vraiment au niveau des tensions, des mesures, ou pour que ce soit bien droit. Car pour être sûr et efficace, les caténaires des trams doivent être rigides. Or, ces câbles peuvent souffrir eux aussi de la chaleur. Plus les températures sont élevées, plus le cuivre se dilate. La liaison, elle descend plus bas que les autres fils à cause de la chaleur. Du coup, le pantographe s'accroche dedans et ça provoque des arrachements et le tram ne sait plus rouler. En quelques semaines cet été, la STIB a dû intervenir à plusieurs endroits pour rigidifier les liaisons. Le nouveau système fonctionne comme un ressort pour maintenir une tension constante et compenser les pertes en cas de forte chaleur, mais aussi les excès en cas de grand froid. Donc ça va s'autogérer et on n'aura plus de réglages à faire nous-mêmes pour intervenir en fonction des températures ou de forte chaleur ou en même temps quand il fait très froid. Ça évite d'avoir des problèmes de pantographe sur les trams, etc. Beaucoup moins d'accidents, beaucoup moins d'usures. Le système, tout nouveau à Bruxelles, sera installé progressivement dans toute la région, en commençant par les rénovations et prolongations de lignes. D'ici 5 ans, tout le réseau devrait en être équipé pour un budget total d'1 million d'euros.